Soyez tous et toutes les bienvenus sur Space News. La plupart des gens imaginent le nouvel ordre mondial version 2.0, accompagné par l'agenda 2030, comme des réalisations complotistes mises en place secrètement. Ces personnes font fausse route, et plus encore avec la nouvelle version du Nouvel Ordre Mondial. Le Nouvel Ordre Mondial 2.0 est une construction extraterrestre supranationale dont les ODD, les Objectifs ou Programmes du Développement Durable pour la planète, sont en train d'entraîner des transformations aussi radicales qu'universelles dans tous les domaines de la vie de tous les terriens, y compris la vôtre, même si vous n'en êtes pas encore tout à fait conscient. J'ai expliqué les tenants et les aboutissants de la mise en place de ces structures sur Terre dans deux vidéos qu'il serait utile que vous regardiez pour avoir le détail avant de visionner la nouvelle série que je m'apprête à publier. La première est la volte-face des contrôleurs numéro 1, qui est une présentation des nombreux traités qui ont été signés entre des races non terrestres et nos gouvernements depuis les années 1930, notamment en 1954, et qui ont été renouvelés par la suite, la construction de bases souterraines aux USA, en commençant par le développement de la zone 51 en 1955. Et la seconde vidéo de la volte-face des contrôleurs numéro 2, qui est une présentation détaillée des acteurs et la chronologie des événements depuis l'opération Paperclip en 1945, ainsi que la mise en place du nouvel ordre mondial. Bonjour, je suis Tim de Space News. Ce mois-ci, j'ai choisi le thème principal du Nouvel Ordre Mondial version 2.0 pour vous présenter quatre perspectives encore inconnues de la nouvelle société terrestre qui est en train de se déployer actuellement sur Terre. Ces quatre perspectives sont présentées en quatre vidéos qui sont organisées de la manière suivante. L'actualité de Space News reprend la thématique dans la perspective nationale et la manière dont est mis en place l'agenda 2030 en France. Puis, le documentaire didactique présente les perspectives des Illuminati dans une vidéo et celles des francs-maçons dans une seconde. Et enfin, un dossier spécial présente la perspective et les actions des extraterrestres. Les quatre vidéos sont accessibles avec des forfaits spécifiques que vous trouverez en fin de vidéo. Je pense qu'il est important de prendre connaissance de tous les aspects et de tous les acteurs sans les stigmatiser dans un rôle ou dans un autre. Ils sont souvent dénigrés ou mal compris à cause de la peur, de l'incompréhension et de l'intolérance qui s'installe de plus en plus chez le public mal informé. Ma tentative aujourd'hui est d'essayer de repousser au maximum les limites de la mentalité terrestre et de vous montrer que ce que vous en pensiez et ce que les rumeurs ou les manipulations en disent peut être très loin de la vérité intrinsèque de ce qui est mis en place. J'espère vous retrouver bientôt pour cette nouvelle série sur le Nouvel Ordre Mondial. Je vous salue respectueusement, de cœur à cœur.